danger pour Haïtiens qui vivent en République dominicaine. Haïtiens, frères et ça a environ 2 semaines là, depuis que un torchon a brûlé entre président dominicain avec peuple dominicain qui vivent dans la deuxième ville pays. L'on parle de deuxième ville en République dominicaine, nous parlons de Santiago de los Caballeros. On commence à regarder l'image. Voilà. Là maintenant, nous, Santiago de los Caballeros. Et plus précisément, nous avons la Fuente. Et le mouvement ça a fait plusieurs côtés dans Santiago. Et on a annoncé que, à partir de la semaine qui vient là, le mouvement pral pour une dimension tête chargée. Il pral commencer à attaquer le bureau migration dans Santiago. Il a tenté de fermer tout ça. Et on dit mouvement, c'est tout le monde dans la société qui pral prend responsabilité pour prendre la rue. Il a annoncé parti ça pour la semaine qui vient. Mais on dit à partir de l'autre semaine, si que, il pral ba yon ultimatum avec le président dominicain qui c'est Luis Abinadel. Parce que estime que Abinadel ba yo menti. Qui sa bagay lan ye? Abinadel, te yon ti jan frustré nan période campagne li. Parce que monsieur te estime que gen magistrat Santiago a, à l'époque c'était Abel Martinez, qui te gagné contrôle ville Santiago. Abinadel pressé li mette projet, alors le mis ça pas avancé, projet et téléphérico dans Santiago. Monsieur dit peuple Santiago a m'a fait tout ça que me capable pour que me fini avec téléphérico avant que élection rive. Elle dit comme ça que nous gon métro que n'a fait sorti capitale Santo Domingo pour aller Santiago. Li dit projet ça m'a commencé yo. Li probable pour que me fini avec métro avant que élection rive. Monsieur commencé métro vrai. Le ça moi-même, m'té Santiago de los Caballeros et m'té ouais projet a commencé. Effectivement, avant que élection rive en Dominicani, Luis Abinadel inauguré téléphérique quoi. Premier monde qui ou qui monte là-dedans, c'est les mêmes avec madame ni et puis vice-présidente là. Ça te fait peuple Santiago senti que Abinadel gè les grand envie faire quelques belles bagages Santiago. Gè les routes Santiago tout qui est dominique était estimé qui peut-être commencer trop et trop coincé et Abinadel est décidé pour que li agrandir. Ça c'est des projets qui poko et fait. Mais plus gros bagage que dominicain yo, il était estimé que Abinadel poko offri yo et que Abel Martinez offri yo. C'est déportation massive tout haïtien qui vivent Santiago. Mais côté bagala lou et compliqué ya. Et Dominique ça va le plus loin pour dire à Abinadel la Dominicanité gon grand président. Literally Trujillo. Trujillo c'est nèg ça nous te connaît qui était massacré plus de 30 000 haïtiens dans sous rivière massacre là. Tout près d'Abon. Et son massacre tout, qui te commencé depuis Santo Domingo, Santiago, tout côté Dominicani, y a tout y a ici. Et même ap di non que, moun sa ou se mante souvi yo, yo di yo même yo besoin trou yo, ki pou pren tête pouvoir en Dominicani. Et si que, Luis Abinadel, pa ka répond avec promesse que le te fait yo, en campagne là, yo di yo même, y a fait exactement ça que, Abinadel pas qu'à faire et a fait le plus facile. Qui ça bagalaye? Messieurs, dames, moi-même dis nous, parti ça li fragile en pile. Et c'est deux monde qui tout dit clairement, yo anti-haïtien. Yo anti-haïtien. Catégoriquement, tout dit li, yo pas vle ouè haïtien. Par conséquent, il y a un pile là-dedans là, qui c'est petit haïtien. Ou pas ta fond idée. Il y a un pile là-dedans qui c'est petit haïtien. Par exemple, il y a un pile noir. Qui gen sang haïtien typiquement. Là, n'ap gadel, gen yon pile dominicain qui sorti nan Nolte. Qui sorti tout près capital, mais c'est sur route l'op de Santiago. Nèg sa yo, yo monte mouvement. Yo gen propre uniforme pa yo. Yo gen propre drapeau pa yo. Yo tout jou clairement, yo même, si que président dominicain qui c'est Luis Abinadel,
S'il pas prend décision pressé pour que lui-même lui réponde avec promesse qu'il t'ai fait yo en campagne là, côté que Luis Abinader t'a dit depuis le monté comme président, l'a déporté plus passé 500 000 haïtiens en Dominicani. Et maintenant, qui ça bagaille et qui ça cause ça? N'a regardé sous tribune Nations Unies dans 79e assemblée générale là, hier nous t'ai parlé de ça. Nous t'ai dit nous que Abinader font déclaration que manque comprendre déclaration. Abinader dit comme ça que si que mission multinationale là échoué, li pral prend des décisions drastiques contre immigrants haïtiens en Dominicanie. Pour bien que m'a dit en Dominicanie volume haïtien en pile vrai. Li extrêmement en pile. Mais m'a dit ça qu'a fait là, c'est contre haïtien, mais c'est nous qui paye plus tôt. Pour bagay là, nous pas dire ou pas gain droit pour faire déportation. C'est seul bagay ou pas dire n'a pas fait. C'est seul Amnesty International et organisation des droits humains dans les Nations Unies qui a campé peut-être lance son appel. Département d'État américain qui carré Abinader dit mon cher halte là. Mais attendez bien, l'a fait quand même parce qu'il dit c'est la caille. Peut-être Amérique capable prendre gros décision contre lui qui peut-être pas avantage lui et que lui même la prêt peut-être s'il fait back mais ça cap avantage lui le ça monsieur pral en face ultranationaliste dominicain. Monsieur dame, premier bagage que m'a dit avec frère Marie haïtien qui vit en Dominicani, m'a dit nous ça très bien. Gen haïtien que me connaît qui pa jam quitter la Dominicani. Ça c'est un. Soit qu'a fait là son quantité. Mais haïtien est papier tout côté en Dominicani. Gen haïtien qui fait en Dominicani. Mais qui veut lever dans communauté pal là haïtien l'on commence gè l'esprit. Mais haïtien ça hostile gen zami dominicain. Zone côté habité dominicain remet yo. De fait haïtien ça yo y a prêté dominicain pa vin Haïti. Gen haïtien pa konn rien de Haïti du tout. Gen haïtien qui gen 50 ans qui pa konn rien de Haïti. Ou voye l'Haïti, pa konn kote l'bal descend. Et yo en pile. Mais par conséquent, haïtien 2020 pour arriver 2023 yo, ça yo c'est des haïtiens. Si baga la mari 14, yo gen ou pour obligation tourner la caillou parce que haïtien sa ou gon côté ou sorti, ça qu'arrive gang mete yo dehors, quoi des bouquets, gang mete yo dehors et on sait des zones, mais haïtien sa ou depuis on revient dans pays d'Haïti, n'importe je ça y est. Yo ka descendre au cap, yo ka descendre au cap, yo ka Jacmel, yo ka plateau central, haïtien pas obligé de taper mourir dominicani. Et moi me dit, même j'ai tout gen pile haïtien qui dit tout. Yo dit comme ça que bientôt pour qui ça ou pas tourner la caillou. M'di, franchement, est-ce que y a pas accepté mourir en bas coûte manchette dominicain? Parce que ou dominicain ça yo, m'a dit ça très bien. Le immigration a couru derrière haïtien. Le haïtien ça pas dit je crois en dire, là rentré dans quartier qui gen moun ça ou regarder là, c'est raché, c'est raché au fait il fait sur avec coûte manchette et au pas publier photo, il pas publier vidéo. Haïtien ça va vivre. Et m'a dit comme ça que hier t'es un citoyen haïtien qui t'est parlé dans l'émission même j'ai après-midi à 6h n'a live ensemble avec vous m'a invité nous toutes viennent partager viennent participer ensemble avec nous n'a pas direct ensemble avec vous et n'a grand pile haïtien en Dominicani qui pas dire ensemble avec nous voilà la compliqué nous obligé faire émission aujourd'hui nous obligé mettre projecteur sous la République dominicaine maintenant qui ça doit faire qui ça qu'a fait et c'est ça qui est important pour nous qui ça doit faire pour nous sauver vie ça yo. Qui ça qu'a fait pour nous sauver vie ça yo? Abinader, de manière stratégique, la PC garde comment ta va, pose une action qui pour faire le pas entraver. Parce que Abinader sous route pour que li entrave. Parce que tout ça qu'a fait là, l'a tombé sous dos Luis Abinader. Qui ça qu'a passé? Parce qu'il te gon discours. Monsieur l'a dit clairement, depuis qu'elle monte, lui-même, l'a fait déportation massive à Dominicani. Il n'y a pas personne au monde qui a fait le pas fait. Elle te promet, monsieur dame ça yo, ou a gardé sous écran ça. Et yon pile. Santiago, c'est deuxième ville République dominicaine. Et c'est côté qui gagne plus dominicain qui raciste. Contre seulement haïtien. Tu entiendes? OK? Contre seulement haïtien. Ça dit ça? Ou pas qu'à faire rien contre ça? Mais premier haïtien, premier groupe haïtien qui est victime. Bam, dis-nous-le.
Par exemple, ou même qui peut-être sorti haïtien, Haïti, en 2022, 2023, qui a établi en Dominicani, qui habite, nous c'est des zones San Isidro, nous c'est des résidentiels, qui habite, nous c'est des zones Piantini et zone La Chochil, qui habite, nous c'est des zones San Santo Domingo, zone et m'capable dit, zone Kondeo, Malekongyo, ou même haïtien sa yo, moi, connais que, ou plus ou moins protégé. L'aime dit plus ou moins protégé. Gon se de mouvement qu'a fait, yo pap ka vin attaque physiquement. Mais quelque part, ça va veut dire que ou épargne à 100% non? Parce que nous tous c'est haïtien. Même abdou premier groupe haïtien kap victime. C'est haïtien qui construit la Dominicani yo kap victime en premier. M'oblige de nous les gens liés. C'est haïtien kap vik, kap travaille en Dominicani, kap travaille dans construction en Dominicani, c'est yo kap victime en premier. Et c'est yo qui victime chaque jour en Dominicani. Ti haïtien qui allait en Dominicani, qui ont famille qui paye un petit caillou pour lui, qui toujours la caillou, qui pas travaille en Dominicani, que famille toujours voye un transfert pour lui, lui mette provision la caillou, en gros, li la caillou. Haïtien, ça qui arrive, immigration rentre dans le résidentiel, li frappe, il frappe, et puis li ouvre porte là, et puis il prend yo, li mette un bout de machine, la lage yo aïna. Mais haïtien, ça pas facile pour mourir. Tandis que yo pas katouye yo. Mais haïtien a tué, c'est haïtien qui travaille dans le champ en Dominicani, qui travaille dans la construction en Dominicani. Et haïtien, ça va être passé, sinon, il y a plus passé 500 000. OK? Il y a plus passé 500 000. Et c'est une hypocrisie totale. C'est eux même qui travaille dans tout domaine pour Dominicain. Bagay pi ki pi sal yo. Yo travaille dans construction, yo travaille dans jardin. OK? C'est yo k'ap conduit vie camion sale pour dominicain, c'est yo k'ap conduit camion fatra pour dominicain, c'est yo k'ap ramasser fatra sous devant palais dominicain en Dominicani. C'est yo k'ap fait tout job sale yo, mais c'est yo qui décide attaquer physiquement. Et mouvement raciste la vienne augmenter parce que président pa yo te promet yo on bagay, mais s'est trouvé dans l'obligation pour qu'elle réponde avec promesse de campagne qu'elle t'a fait. Et avec l'international dominicain, quelque part, Abinadel trouvait que Tipiel n'a pas solié. Et, j'aime te dire tout à l'heure, alors on va reprendre, sous tribune des Nations Unies, dans New York. Aïe, 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 monsieur. Qui t'aime saluer, nous? Je dis à ce 30 septembre 2024. Je suis content pour me dire bonjour, bonsoir tout le monde. Débat d'amende qui est là, on va attendre nous, et on va regarder nous. Encore une fois, c'est un plaisir pour moi pour que. Moi ensemble avec nous sur plateforme panoua qui c'est plateforme YouTube maman peba plateforme paye voter plateforme qui pas pêcher là plateforme cap dit jeune hier qui c'est plateforme YouTube info bientôt et faites m'a demander nous partager émission ça tant pris partager parce que détracteur eux même il y a PC mettez pion passez par là pour que vous attaquez plateforme là réduire plateforme là et mettez plateforme dans une condition qui difficile mais nous comprenons nous dit que et je tape jouer nous comprenons ni et n'a joué avec eux quel que soit agent ça n'a joué avec eux parce que nous comprenons ça qui a passé là nous pas fait back. OK, nous comprenons ça qui a passé là et nous dit nous pas fait back. Parce que combat qui n'a mené un son combat pour libération tout ton pays nous pas gain pour faire back. Assumer responsabilité en tant que peuple prendre engagement nous pour travail qu'a fait là pour le faire dans dimension qu'il doit faire là en avance. Luis Abinadel, président de la République dominicaine. Sous tribune des Nations Unies. Dans la 79e Assemblée générale des Nations Unies dans New York. Président dominicain te prend la parole. Dans le côté qu'il a parlé de Haïtien, il dit un pile bagaille. Gagné moi-même attaque monde. Qui vivent en Dominicani. Ou bien qu'elle dit le guérison là-dedans. Question haïtien utilisé en partie dans le budget et santé oua, période. Ça c'est véritable solé. Il faut nous très cohérent dans cette affaire. Deuxième bagage que M. dit qui est extrêmement important. En Dominicani, il y a 200 combien 1000 étrangers, petits étrangers, qui l'école dans l'école publique. T'as dit bien oui? L'école publique en Dominicani. M'a dit nous vérité à comment lié.
Parce qu'il faut que nous pas faire hypocrisie ça. Et c'est la Dominicanie fait pour Haïti, pour Haïtien. Haïtien, Haïti pas fait pour Haïtien. Qui ça bagala yé? En Dominicanie, l'école publique dominicaine yo. Gagné 147 petit 1000 petit moun haïtien. Qui l'école publique dominicaine? Dominicain ba yo valise, li ba yo uniforme, li ba yo laptop, tendez bien oui, li font paquet de dépenses pour yo et c'est des véritables solis. Faut que nous dil janlié. Parce que là n'a parlé, c'est pas critiquer yo seulement non, parce que yo gen raison, faut nous dire que yo gen raison. Qui l'école haïtien qui baille ti haïtien uniforme, valise, oh non, fourniture scolaire en Haïti, pas gagné. Pas gagné. Pas gagné. Mateli c'est gang, Mateli c'est criminel, mais Mateli t'es du l'école gratis. T'es gampi les fois que t'as fait. Opposition campée, yo crasé sa plate. Même si n'est pas bon, les criminels oui, mais go baille que t'as fait qui est bon, pour payer, ou même qu'a fait politique, faut qu'on encourage là-dedans. Faut qu'on exige le faire plus bien. Ou bien sous une meilleure formule, bah meilleure formule là. Mais c'est pas campé pour contrecarrer. Mais par conséquent, c'est contrecarrer Mateli, il bloque l'école gratis là. Ou t'es qu'à forcer le faire, même s'il était sous bluff, ou t'es qu'à forcer le faire comme opposition politique. Et en Dominicani, c'est exactement ça que Dominique fait. Abinadel te promet, Teleférico, dans Santiago de los Caballeros, l'opposition politique dans Santiago, qui t'a dirigé par Abel Martinez, lui exige que monsieur Fell. Dans toute radio qu'il a pris la parole, lui dit que fuck monsieur commence le projet et fuck projet a fini date pour le finir. Pas gagne ou pas bois non. Abinadel commence projet a fini exactement dans date pour qu'il finir. Abinadel te dit la pété on métro sorti tout près à Golamol dans Santo Domingo pour aller Santiago. Abel Martinez avec tout peuple Santiago a levé dans quoi Abinadel. Il dit monsieur fuck projet a commencé et fuck le finir date là parce que comme la gueule est disponible. Parce que c'est l'argent yo. Yo, éducation peuple a fait dans niveau ça. Li konnen kòb liyan, c'est li k'ap fè projet dans pays ya. Mais Abinadel, li di fòk ou fè projet ya. Abinadel te di la bataille contre corruption dominicani, et bien monsieur saccagé, un paquet nèg ki t'ap volé kòb l'état vrai. Monsieur Mario, monsieur saisi bien yo, un paquet bagay ki fèt, ou pa ki dans prison. Ça, opposition politique ça, son politique, une opposition politique consécutive quelque part k'ap mette pression son autorité étatique qui k'ap forcer monsieur fonce de bagay. Mais par conséquent, Abel et Abinadel, monsieur Seyon, Dominique raciste. L'homme dit Dominique raciste, naturellement, monsieur pas un haïtien. Et Dominique dit ça même. Dominique dit ou ça. Naturellement, Abinadel pas remet haïtien. Période. Et monsieur prouve le tout. Mais est-ce que pas de compte de déportation en Dominicani? Depuis l'homme fait, m'attendez ça. Depuis la fête, m'a pas de ça. Au contraire, longtemps, t'es qu'on gagne plus massacre sur Haïtien Dominicani. Longtemps, oui. Ah oui. Moi même, gon le, nan pays, moi, je suis sorti pas au prince, m'allé dans le sud-est. M'a donc seul par bagay qui pété, nos provinces, tout près, zone pédénale. Gen deux Haïtiens qui travaillent avec une famille dominicaine. Dominicain qui les fait un bagay, Haïtien qui les fait violence sur Dominicain. Sot en déant, depuis c'est Haïtien qui dans zone autour et tout, yon rachit tout à manchette. Nous te connais ça. Et militaire dominicain a physio, dominicain dans zone n'a brachou à manchette. Depuis longtemps ça a fait. Mais qui ça n'est capable de faire nous-mêmes comme autorité haïtienne pour nous mettre un frein dans ça? Et m'a dit nous ça très bien. Problème Haïti avec la Dominicanie, ou bien problème la Dominicanie avec Haïti, c'est seul Haïti capable de mettre un frein dans ça. Je toujours répète, formule c'est nous gagnons, c'est nous capable de mettre un frein là-dedans. Haïti qui est un dirigeant sérieux, honnête, compétent, qui a une dimension, qui est haïtien, qui est Haïti, qui prend tête pays, jodi, demain, si Dieu veut, décision pour que la Dominicanie suspende, fait ça l'affaire, la prend. Problème Haïti avec la Dominicanie, moi dis clairement, c'est seul Haïti qui est capable de stopper, capable de résoudre le problème. Nan. Solution, li nan men Haïti. Est-ce que nous entendons ça me dit nous? Solution avec problème haïtien, Dominicanie? C'est Haïti capable de résoudre. Solution avec problème Dominicani avec Haïti, c'est Haïti qui a une solution à la mêle. Et meilleure solution. Et solution qui a durable. Je voulais nous comprendre ça. Pas de cette idée là. OK? Eh bien, je dis parce que semaine ça nous recevoir, alors depuis le week-end, non? Nous recevons un pile d'oléances Haïtien et Dominicani. Gen ici qui la kayo pa ka sorti. Gen ki nan la rue
Dominicain prend qui bourré dans Haïna. Ça cause m'a demandé ministre affaires étrangères là qui c'est madame Dominique Dupuis. M'a demandé pour demander consul Haïti dans Santo Domingo a n'a demandé pour demander le déplacer pour nous. Pour l'al rendre visite avec haïtien yo qui dans Haïna. De vous dire Haïna la tour qui côté. C'est côté dominicain. L'autre ici c'est pas ma pas pile pas ma con la gueule une sur l'autre basque l'autre une sur l'autre non gros hall non gros dépôt il ferme là gagne cap mourir soif de l'eau gagne cap mourir avec Freddy gagne cap mourir le si gagne chaleur chaleur pété fiel yo gagne comme si qui pas respirer moun qui gagne problème moun qui asthmatique yon dedans gagne moun cap mourir et puis haïtien ça yo gon business que yo fait ensemble avec elle et m'a dit jodi a la dominicanie peuple dominicain jodi an senti que li en sécurité non sens. Dans qui façon la sécurité? Parce que tout si gèle dominicain qui te kon a veye dominicain pareil yo, pou yo vole, yo pa vole dominicain encore. Tout dominicain qui te vole, jodi an yo vole légal parce que y a vole haïtien. Dominicain ou son bagay ki normal, ou jodi an même sou machine ou, dominicain même pou on vie maillot police met sou li, on vie maillot immigration met nan tête li, met sou li et bon kepi ki gen logo bagay immigration, li campé machine ou depuis le suspect qui a ici canal, et bien capable campo pour le rançonno dans mitan la rue. Dans mitan la rue. OK? Ça l'état dominicain connaît. Parce que président dans campagne li, il t'a offert un pile job avec ti dominicain pas travail dans secteur immigration. Ou a dit ça ou va le faire? Comme la côté a touché le. Et m'a dit comme ça que dossier immigration en Dominicani, son secteur qui gagne en pile l'argent. M'a pral expliquer. Qui t'aime dit nos bagailles pour nous comprendre ça très bien. Ça dit pas petit non. Ouais je dis hein, gagne en pile dominicain qui riche en Dominicani. Guad dominicain. Et dominicain qui dans politique dominicani, y a riche. Ça vous fait. Yo pa vle wè haïtien. Et puis yo même, yo utilisé une quantité machine, yo loué machine même dans location. Pour que yo broté haïtien sous frontière pour monter en Dominicanie. Eh bien oui. Dominique qui parle haïtien. Ça m'a dit l'état dominicain qu'on est l'autorité dominicaine qu'on est. Yo font business. Abinadel pas gain intérêt pour qu'il jamais ouvri consulat pour le bail visa en Haïti. Jamais. Ça pas intéressé du tout parce que le grand quantité dominicain qui te supporte en campagne, je dis qu'il est riche dans secteur ça. Qui secteur? Ça m'a dit, là, la fait mal en pile et son vérité absolue. Si un haïtien, pas au prince jodi, libéré de l'entrée dominicaine, demain si Dieu veut, depuis le rivé, Elias Pigna seulement, la montée en Dominicani, la moins que 4 heures de temps la privée en Dominique, la privée Santo Domingo. Mais par conséquent, pendant qu'il a pété la terre, il y a une chance pour que il prenne la gueule sous frontière encore. Période. Comment il fait? En Dominicane et en 2020, tu as plus passé 300 000 visas qui te vendent avec Haïtien. Visa, ça te coûte chaque Haïtien $300. Pendant que visa mettait $225. Mais il te coûte Haïtien $300 américains. 2020. En avance. Ça que me dit nous ça parce que moi je te mettais dans visa ça tout oui. Je te mettais dans visa ça tout. 2020. Je te mettais dans visa ça et moi-même me carré passeport là pour montrer nous visa ça, me gagne visa 2021. Je te gagne sous passeport. On avance. On faut calcul pour nous qui qualité l'argent qu'a brassé dans secteur ça. En 2020, 300 000 Haïtiens mettaient visa. Ça, c'est ça. Et autorité dominicaine a bail comme bilan quand il y a Haïtiens qui mettaient visa. Et il y a plus. 300 000 Haïtiens. Multiplié par $300 américains. Par tête. Par $300. On comprend comment ça fait pour une année. Pour une année, oui. Pour une année. Dans le secteur
immigration seulement. Avec nous pour Haïti, oui. On combien de que la Dominicaine est rentrée dans visa pour 2020 seulement? 90 millions de dollars américains dans seule année. 300 dollars américains multipliés par 300 000 haïtiens. Maintenant, on va comprendre. Et pourquoi ça passe? 300 000 haïtiens, ça yo. Yo vivent en Dominicani, yo a fait mes cailles. En Dominicani. Et son cob qui sorti directement dans l'économie haïtienne. C'est cob diaspora qui t'a supposé rentrer à Haïti pour aller dans l'économie, et bien il rentre directement en Dominicani. 90 millions de dollars américains dans une année. Pour visa dominicain seulement. Qu'on y a là, ou bien pour checker pour 20 dollars américains chaque mois. Haïtien dominicain n'est pas qu'à descendre pour la checker. Et bien il paye calibre tous 30 dollars. Ça veut dire qu'il paye 20 dollars pour check là et puis 10 dollars pour bus là. Mon cap checker pour ouah. On nous dit 300 000 haïtiens. 300 000 haïtiens multiplié par 30 dollars. Pas moi. Pas moi. Multiplié par 30 dollars. Pas moi. Les bon 9 millions de dollars américains chaque mois. Pour chèque seulement. Chèque seulement, les bon 9 millions de dollars américains. Yeah, yeah, monsieur. Dis-nous, fais pays, dis-nous, arrangez-nous pour nous faire pays, parce que nous ne pouvons pas quitter ça, continuer. On avance pour 12 mois. 9 millions de dollars américains multipliés par 12. Les bon 108 millions de dollars américains. 108 millions de dollars américains. Moi, je veux nous connaître ça. Où est Dominicain ça, ou qui a demandé pour retirer Haïtien Dominicani, quoi, coup de Haïtien? Si vous comprenez, bon, franchement, vous avez ouvert votre, vous avez dit, bien, allez, regardez, ouvert pays, à bah, Haïtien acheter visa. Et puis après ça, déporter de temps en temps. Fait comme la veille. Moi, je veux vous comprendre. Quand l'argent qui a fait là, malheureusement, l'État haïtien, pas de dirigeant qui a une dimension pour que la, ça stoppe, vente ça stoppe. Eh bien, dis-nous pour nous comprendre. 90 millions de dollars américains mettent pour visa, l'offre de visa, 9, 3, alors 300 millions de dollars pour année, yo checké pour 8, alors pour 108 millions de dollars américains. Check. Parce que dans un pays, yo exige de checker chaque mois. Donc, à comprendre ça, ça veut dire. Et c'est seul haïtien qui fait ça en Dominicani. Eh bien, fait 90 millions plus. Et 90 millions plus 108 millions, non. On va comprendre ça, ça veut dire. On va comprendre ça, ça veut dire. Ça veut dire, mais quand c'était comme qu'a fait, environ 200 millions de dollars américains pour année seulement. Pour une année. Pour question bagaille, l'argent qui a prêté dans l'immigration en Dominicaine. Ou qu'a comprendre le Abinadel changer de directeur immigration là? Ok? L'elle mettait tout ça? Ou qu'a comprendre le changer de directeur immigration rapide vite là? Et pas jette qui là? OK? OK? Ça veut dire que c'est gros comme cap brassé là. C'est gros gros l'argent cap brassé dans secteur ça. C'est bon jeu de lié. Faut que nous comprenions la réalité ça. L'eau et Abinadel retirer responsable, l'autre responsable immigration qu'elle te gagne, li pren un taux qui dans l'armée, et puis il mette ya, et pas sans raison. C'est pour le répondre avec Dominique, ça a fait gros mouvement en Dominicani, et qui prêt pour passer dans le niveau violence là. Et m'a dit, haïtien frère monsieur, tout d'abord, si immigration couri de yo, pas couri. M'a dit ça très bien. Pas courir entre kay personne. Surtout si ou en province. De pour machine immigration ou mettre campé. De pour courir à physio. Parce que monsieur ou regarder sur écran, monsieur pas pral jouer avec nous. OK? C'est pas n'importe bail que lié. Conseil PAM pour chaque grain compatriote qui vivent la caille voisin.
Prébaïk pour me dire nous, fon conscient. La Dominicanie a fait pays. Et pas vienne critiquer yo, blablabla, non. Yo a fait pays. Yo décide de construire la caillou. Nous même nous décide de quitter un groupe moun, a crasé la caillou. Et bien, je dis, critique la pas de tomber dans le dos Abinadel. Critiquer Abinadel pas pina yen. Moi, je ne suis pas là pour me critiquer, Je suis là pour me permettre de comprendre. La vie haïtienne dominicaine n'est pas une vie. Et pour motiver nous, pour que nous prenions responsabilité nous, la caille nous, pour que nous même nous capables de faire la caille bon, pour nous vivre la caille. Parce que, je dis ça très bien. Le Haïti est un petit cas de sécurité. Tu es chargé dominicain, dominicain. En Haïti. Ça, vous êtes. En bon créole, c'était bousin dominicain. Tout côté passé, où j'ai un bousin dominicain. Un groupe bousin dominicain. Parce que haïtien, jeune garçon haïtien, les mêmes les femmes femme blanche, tout le monde la baie comme dans bousin. Pardon. Est-ce que nous comprenons? Eh bien, c'est des vérités absolues, oui. Il faut nous dire j'allais. Il faut nous dire j'allais. OK? Pourquoi est-ce que je m'a dit, ou même quand je vis en Dominicani, prudent. Même si je m'a dit, on ne va pas tourner. Mais ça m'a dit, dans le jour où je viens là, ça n'a pas le gain, hein? Il va du en pile. Donc, on a un choix pour nous faire. Est-ce qu'on n'a pas accepté pour nous rester en Dominicani? Ou bien on a venu en Haïti? C'est ça seulement que je dis. Ou même si toujours prend plaisir, là, chercher moyen, utiliser Ticob, chercher moun qui est capable de voir petit moyen pour nous payer, haïtien. Je viens tellement haïtien, bah, menton en Dominicani. Je viens peu ça. OK? Là, il se dit, la Kaili. Li fait tout ça qu'il connaît, fait toute famille cherche un moyen pour relo, puis tout du pour aller, au besoin $50, yo besoin $100 pour hôtel, yo gen tel groupe ensemble avec yo, mais ben menti. Comme qu'on ne va pas mentir encore. Il va pas faire ni tout. On va pas faire ni impossible. Mais qu'on nous bien et m'tape vivre bon avec nous tout. Ça veut dire que l'un d'ap fait là parce que m'te prend pitié, m'ta fait la émotion tout, quelque pas gon contrôle m'pa te mettre. Ça veut dire que t'es gon gagote qui t'est fait. Surtout dans moment canal là. M'prend en pile coup. Dans moment canal là m'prend en pile coup. M'prend en pile. Fait que non. Vous voulez qu'on nous dise oui, nous pour aller, nous crier, blablabla. Je viens de bagay la me dit. Après, un tel te dit tel bagay. Et puis, même un tel là, voit ça, les mouikot voit ça. Oh, après 3 jours qui voit me donner quoi, voit ça. Je me dis, ok, d'accord. D'accord. Pas un problème. C'est comme ça. Et des boucs haïtiens, problème ça, en pile, nous gagnons. Nous pas contre l'homme on a fait des sacrifices pour supporter non. Alors on pas dire le général non parce que son minorité comme ça, son minorité vicieux, pas sérieux qui peut-être cause une majorité capable de souffrir. Mais m'a dit et m'vinn comprendre qu'il y a bah voilà avec et alors majorité a non gain pile haïtien qui senti bon qui respecte ça yo, cap du problème, qui gain problème dans vrai qui diolé ou même sous ka font bagarre ou fait. Et m'a dit nous c'est pas moi qui gagne l'argent. M'pa gain cop. Mais c'est des amis qui dans diaspora qui tant des souffrances là, le partager avec yo. Eh bien, justement, qui décide yo même pour que, naturellement, yo supporte dans le niveau qui yo capable pour que yo garde comment yo travaille de nous sauver des vies. OK? C'est très important pour que nous comprenne ça. Et ça, pas gagne cette idée là-dedans. D'accord? Pas gagne cette idée là-dedans. Faut que nous assumions la responsabilité, non? Face avec ça, gagne comme situation. Et pour les Haïtiens, je me dis là, avec la Dominicanie, le problème n'a pas qu'à résoudre dans le jury. Le problème n'a pas qu'à résoudre dans le chirépit. Et m'a dit nous ça aujourd'hui, et son parole qui est très fort. Haïti a toute marge de manœuvre pour résoudre le problème. Haïti a toute marge de manœuvre dans 3 mois pour mettre la Dominicanie à genoux. Nous sommes dans le domaine clé. Aïe, aïe, aïe. Ça m'a dit nous l'âme qu'on elle. OK? Ça m'a dit nous l'âme qu'on elle. OK? Ça m'a dit nous l'âme qu'on elle. OK? Non, c'est le domaine clé. Haïtien, Haïti capable de mettre la Dominicanie
à genoux. Mais qu'on y a ça qui est plus grave pour nous. Problème n'est pas Abinadel. Honnêtement, il n'est pas Abinadel. On a un problème dans qu'est-ce lié? Problème dans c'est Jocelyn Brivert. Problème dans c'est Jean-Max Belrive. Problème dans c'est Jean-Henri Séan. Problème dans c'est Gilbert Bidjo. Problème dans c'est oligarque corrompu qui a investi tout l'argent qui a volé en Haïti en Dominicani. Problème n'est pas Abinadel. Ça veut dire qui ça? Ou qu'a résolu problème Abinadel en 2019? Ou a saisi ou haïtien ou décide de mettre un dirigeant sérieux, honnête, compétent qui est Haïti qui patriote? Ou a saisi Abinadel a demandé pour le chita avec. Et ou après Abinadel sorti Santo Domingo pour le descendre sous frontière là, même j'ai venu rencontrer avec le président Jovenel là, la venu rencontrer pour parler. Mais on pensait que Edgar Leblanc, Gary Koni ka fel, jamais, il n'y a pas ka fel. Il n'y a pas qu'à faire parce que, nek sa yo façon yo là, c'est oligarque qui mette yo là. Parce que nek sa yo pepe du pouvoir. Parce que yo pas de penser que yo te kage pouvoir ça. Est-ce que nous là? Yo pas de penser que yo te kage pouvoir. Bien que m'gan pil baye pour m'di sous dossier Galé Blanc, m'en pas de j'aime konsi Galé Blanc, te ge tout et bagay sa la kali non? Monsieur, m'gon vérité là, oui. M'gon vérité là, kap boui, sous Tichin, nous te wè ki te pren ou li ba avion, nan men président Kenya papa, ki te monte, et Washington, en katimini an. Le monsieur rivé l'autre bois. Ouais, monsieur fait tout ça, qu'il fait tout excès, jusqu'à ce qu'il prenne humiliation, tout bagay. Gary Koni était au courant, oui. I swear to God. Monsieur était au courant. Et peut-être, nous, on t'en pile, nous, l'aide en pile. Et un jour qu'aujourd'hui, je pensais que nous avons compris la nécessité qui gagne pour que le conseil de monde ne pas jamais quitter ou arriver dans notre pays. Parce que c'est pire, c'est comme si c'est grave. Et je ne peux pas parler de ça pour plusieurs raisons. OK? Il est important. OK? Je ne peux pas parler sur ça, Kounia, mais je vais vous dire ce dossier, déplacement. Leslie Voltaire, représentant famille Lavalas nan, couleur c'est présidentiel là, m'a dit non que, m'a dit non m'gapil vérité, et m'pou kap dit l'konya. C'est pas le moment. En avance, ce dossier ça qui est extrêmement important pour nous. Et m'a prendre tout frère haïtien capteur de m'en diaspora, pour nous gon fixation sur ça. Parce que je dis à nous dans un contexte qui est extrêmement compliqué, côté que la vie haïtienne menacée, mais qui s'en capable fait. Pour nous sauver vie haïtien dominicani, c'est l'État haïtien qui a fait. Moi-même, je crie, je relè, je fais voir au passé. Par exemple, après-midi, à 6h p.m. dans le pays d'Haïti, haïtien en dominicani a mobilisé pour que yo vienne en direct sur la plateforme YouTube parce que nous avons live ensemble avec yo. OK? Nous avons live ensemble avec yo. Mais il est important pour que nous arrangeons pour que nous fassions tout ça qui est capable pour nous protéger. Yo. Parce que ça va passer à l'extrêmement grave. Parce que je vais montrer nous, monsieur ça, vous avez regardé là, sur l'écran, vous annoncé toute qualité de choses. Vous avez le fait. Ça veut dire que vous avez attaqué Haïtien physiquement. J'en trouve vous avez fait là. Parce que vous avez dit, vous avez pris la race. Et de fait, vous prenez la rue presque chaque jour. Vous avez bloqué Santiago. Et ça qui cause Abinadel pressé, changer directeur immigration. Pour le mettre en qui sadique, qui prend des décisions drastiques. Parce qu'il était annoncé. Parce qu'Abinadel senti que le peuple qui a supporté ça qui a monté en Dominicanien, mais plutôt il prend des décisions contre Haïtien, au lieu que lui-même, il est une victime. Bon, avancer sous ça, je vais dire tout à l'heure. Il y a un réseau qui n'est pas intéressé à Abinadel et à Haïtien Visa. L'autre bois est à trois Haïtien. Ça, c'est Youn. Deuxième bagaille que nous devons connaître, l'argent que on sait de monde qui te supporte Abinadel a fait dans le secteur agricole, là, ok? Dans le secteur agricole, là, alors nous disons secteur agricole, dans le voyage clandestin, ça, comme si monter avec Haïtien illégalement. L'argent que on sait des nègres qui tapent supporté Abinadel a fait dans le secteur ça, y a pas de crasse intérêt pour que yo même yo t'ava quitté haïtien monté, OK?
en Dominicane illégalement. Il n'y a pas de crasse intérêt. Je voulais nous comprendre ça. Il n'y a pas de crasse intérêt qui te sa fête. Parce que vous-même, vous l'argent qui a fait. Combien de vous connaissez que vous montez avec Haïtien illégalement en Dominicane? Et c'est Dominicain qui compte avec. C'est des Guad Dominicains. C'est des Dominicains qui ont une politique qui est influent, qui reconnaissent. Depuis que vous passez beaucoup de Guad là, vous gérez Guad là et vous montez. Je dis nous bien, tout Dominicain riche là, quand je parle là. Tout Dominique qui a une machine, qui a pris 7-8 moun qui a riche là, qui utilise Tibus pour riche, comment vous faites? Longtemps, vous avez un moto ici sous motocyclette. Vous avez non. Vous faites l'autre façon parce que vous êtes plus facile. Vous prenez, par exemple, Dabon. Vous montez pour la go dans Palada, Santiago, pour $300 américains. 300 dollars américains. Et vous avez un gros bus yo fèl pour $300 américains. Tout Guad Dominique qui te kon raseur, qu'on y a pas raseur encore parce que qu'on l'argent qu'a fait avec haïtien sans camper. Et ceci, c'est chaque jour. Parce que plus gain déportation, c'est plus gain l'argent qu'a fait. Et sur 4 points et c'est sur 4 points frontières officielles yo, comme ça fait légalement pour Dominique yo. Yo fait légalement yo même. Mais ou de pou, ou yve sous territoire seulement, on l'autre capable pou, pim pou en bas encore. Yo kon jouet la, yo kon comment lié. Mais comme la pa pipiti que $300 américains. Ou gon moun la jodi a ki da bon, ki besoin monte capital, rapide vite la pou de capital. 3-4 temps li getan et Santiago, après quelques 2 heures temps le capital. Ou gon moun la ki trouve li, et comment il est l'Espigna, 4 temps li kap, y Santo Domingo, y pintou la. L'abdoumil tout pintou la. Ah, ou pense a y se pa monte? Ah, c'est mon Dominique qui fait le même. Et c'est l'État dominicain qui fait le, me dit nous ça. C'est militaire dominicain, policier dominicain, moun qui nan politique dominicaine qui fait le. OK? Yo sou route là, yo achete ti manger ba ici ou nan route là. OK? Mais sauf que machine qui capote 5 moun nan, yo fait le poté 10 moun. Et c'est ça que nous devons connaître, papa. À $300 américains, faut calculer pour eux. On dominicain qui pas travail. Par exemple, un Guad Dominicain qui va même toucher 12 600 pesos par mois. Mes amis, le Dominicain, ça, lui-même, personnellement, oui, un Guad Dominicain qui va faire comme du tout, qui est enragé, c'est des petits jeunes garçons qui va faire comme. Il va toucher 12 600 pesos qui c'est $250, environ $200. Quand il a utilisé une machine, il a porté 10 haïtiens à $300 américains. $300, yo mando bay kob lan $1, meni. $300 américains multiplié par 10 haïtiens. Li bon $3,000 américains dans seul voyage. nous connaissons jote ki gen la. Alors l'État haïtien crée condition pour que peuple la quitte la kay li. Haïti son source économique liye. Pour la Dominicanie, pour Dominicain. Et Dominique, pas tant Abinadel réouvrir frontière du tout. Yo pas tant Abinadel ouvrir immigration du tout. Parce que yo pas accepté pour que visa baille. Si gen visa qui baille, comme ça l'a fait mal. L'aime dit l'a fait mal là, l'a fait moins. Yo pas fait genre de faire là. OK? Il va faire genre de faire là. Et Dominique est très prudent dans ça. Surtout pour Dominique qui sous frontière là. Il pas voulait pour que comme ça pas fait. Vous voulez nous comprendre ça. Parce que il y a pile famille dominicaine qui ne connaît pas la voilà là. Salaire yo, yo connaît pas mari, par exemple, Dominique qui habite Bani, Dominique qui habite non c'est des routes Santo Domingo. Pour mon nom vers Santo Domingo, je garantis que la famille a bien vécu parce qu'il a fait cob. Il a fait cob, papa. Il a fait cob. Et comme ça, qui est belle là? Il y a 20 armes en pile, il y a 20 balles en pile. Avec Haïtien. Ya, monsieur. Cano grave. Cano extrêmement grave. Et.
m'a campé sur point ça là, m'a tourné, m'a avancé vers de l'autre point dans la programmation. M'a campé sur point ça jodi, nous gain plus pour nous dire sur lui, mais c'est avec haïtien qui a pendre ensemble avec nous et sur plateforme YouTube mais Fouberto après-midi, n'a live. OK, avec deux combattants haïtien pour que nous continuer parler parole là parce que c'est très intéressant pour nous continuer parler vérité là sur plateforme YouTube Info Bientôt. OK? Et n'a pas continuer avec programmation. Mais sauf que ça m'a dit nous là, très très intéressant. Imaginons, un jeune garçon dominicain qui a une machine, il fait le prendre 10 haïtiens, il pote le capital, il pote aux zones Pinto là, Calago d'Alte tout, pour $300 qui est peut-être, il va venir mettre $3,000. Imaginons, haïtien dominicain ça, il a tout contact, parce que haïtien va contact haïtien, haïtien va contact haïtien, dominicain qui a café, non jour, dans 24 heures de temps, il a fait 3 voyages. Yeah. Parce que vous ne pouvez pas camper. Dominique a fait comme lui, il n'y a pas de problème. Et week-end, non seulement week-end, il n'y a pas de travail. Week-end, il n'y a pas de gogli. Le dimanche, il a appelé V, fuck top net. Vous comprenez? Il n'y a pas de bagarre. Mais sauf que, imagine le Dominique ça, tu as fait 2 voyages dans la journée. Il fait $6,000. Imagine le Dominique ça, tu as fait 1 grand voyage par jour. OK? 1 grand voyage par jour. Et puis, dans 30 jours, on nous dit, Dominique ça fait 15 voyages pendant 30 jours. On nous dit, c'est 15 multiplié par 3,000. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Dominique, ça fait $45,000 au mois. Sous 10 haïtiens. Je ne vais pas dire plus. Je ne vais pas dire plus que ça. Je vais camper sous partie ça sec. Je vais tout dire à tout haïtien. Prends précaution. Ou même qui envie de montrer Dominicani, prends précaution. Au maximum. Très intéressant. Prends pile précaution. Parce que ça qu'a fait là, il va pas dire. Prends en pile précaution. Parce que ça qu'a fait là, li pa piti. D'accord? Prends pile précaution. Vous nous connaître ça. Prends pile précaution. Et fait très attention. Tout haïtien qui est en Dominicani, mande nous ça tant pis s'il vous plaît. Fait très attention. OK? Prends pile précaution. Parce que moment antigen compliqué. Moment antigen compliqué. J'ai ça pour nous. N'a pas tourné sous ça et tout à l'heure comme ça. Voilà. En avance. N'a pas parlé de et alors discours de Galet Blanc on parti. Il y a pile et français qui ont un problème avec Emmanuel Macron, eh bien, qui a exigé Emmanuel Macron bail remettre cob d'aide de l'indépendance avec Haïti. Bon, Macron t'en des bagages là qu'elle saute. Macron t'en des bagages là qu'elle saute. Attendez bien, Macron, Emmanuel Macron, tant de bagailles qu'elle sautait. Qu'elle sautait, monsieur étonné. Si monsieur pas pensé que le message est arrivé rapide comme ça. Et bien, monsieur, ouais, que le message est tellement arrivé rapide, bah, que ça va être problème. Et il y a un pile et pays dans le continent africain qui décidait pour que je continue à parler les mêmes paroles ça. Ça veut dire que son virus, et nous connaissons, leur parole commence à parler. Dans le niveau ça, eh bien, il veut dire exactement ça veut dire. Hein? Bah, vous comprenez? Il veut dire exactement ça veut dire. Je vais me faire notre petit extrait ça parce que, parti ça, les gars est tout de côté. Et m'a dit non ça, il y a un pile Afrique qui prend, si parti côté de Galet Blanc, m'a dit dette de l'indépendance, un pile Afrique qui prend, il fait TikTok avec elle. OK, il fait TikTok avec elle. Je vais me permettre notre petit parti ça dans les médias français ou en France. La France de payer sa dette à l'égard d'Haïti. Et vous vous dites, bah oui, il y a une dette française. Oui, il y a une dette française. C'est une coalition d'une vingtaine d'ONG lors du Forum permanent des Nations Unies pour les personnes d'ascendance africaine qui est à Genève, qui ont de nouveau réclamé le remboursement par la France de la dette qu'a été contraint de contracter Haïti après son indépendance en 1804. Et en fait, c'est pas exactement 1824.
C'est en 1825, Charles X, qui vient d'arriver sur le trône, se présente à Haïti et en gros leur dit soit c'est la guerre, soit vous payez. Eh bien, vous payez quoi? Vous payez une indemnité de 150 millions de francs or pour dédommager les anciens colons et, en plus de ça, petite cerise sur le gâteau, avec l'assurance d'échanges commerciaux privilégiés avec la France. Et parce qu'il faut faire ça bien, vous allez emprunter aux banques françaises, c'est ce qu'on appelle après la double dette. C'est le diable qui se mord la queue. Il y en a plein comme ça dans l'histoire d'Haïti. Alors, la dette a été remboursée par Haïti en 1947. Donc, ils ont mis 120 ans. Exactement, à 21 milliards de dollars. Mais pour les partisans du remboursement, il y a eu 200 ans d'intérêt dont la France a bénéficié. Donc, elle se montrait plus, davantage à 150, voire 200 milliards. Alors, c'est pas la première fois que c'était... Haïti oui. a dû... payer une dette à la France pour avoir osé déclarer son indépendance. Vous connaissez ma difficulté intellectuelle, morale, historique, à regarder avec nos yeux d'aujourd'hui l'histoire. Encore une fois, l'histoire n'est pas bien ou mal ailée. On doit la comprendre, l'analyser, l'offrir pédagogiquement au plus grand nombre, mais on ne peut pas la réécrire, on ne peut pas la retordre dans l'autre sens. Elle est ce qu'elle est. Mais par contre, force est de constater que d'aller demander à la première République noire, et qui n'est pas n'importe quelle République noire ou pas noire d'ailleurs, Haïti. Haïti, Toussaint Louverture, quand il lit la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Après la Révolution française, quand elle arrive entre ses mains à Haïti, ce qu'il lit, il s'y reconnaît. Il dit, mais ça parle de moi ce texte, je suis né libre, je mérite la liberté. Et en faisant la Révolution à Haïti, Toussaint Louverture a universalisé la Déclaration des droits de l'homme et la Révolution française. Mmh. L'aspect universel, ce qui fait que c'est applicable partout et c'est revendicable par tous, ça vient d'Haïti et Toussaint Louverture. Donc c'est quand même c'est pas rien. C'est extraordinaire. Moi j'ai une passion pour Toussaint Louverture, je conseille à tout le monde de lui donner Césaire sur Toussaint Louverture. Bref, donc c'est tout à fait injuste et cruel d'arriver et de dire, vous avez été colonisé pendant toutes ces années-là. Donc, maintenant, vous êtes indépendant, vous avez gagné de votre indépendance, mais vous savez quoi? Vous allez payer des indemnités à ceux qui ont commis cette injustice. Alors, même avec les réserves que je peux avoir dans la réécriture historique, ça va, quand même. Donc, je pense que quand même, il y a une légitimité. Mais, j'ai deux mais. La première, c'est qu'on doit aussi faire payer les Américains. Parce que tout le monde a oublié cette affaire. Mais en 1914, un groupe d'Américains débarque à Haïti, pique 500 000 dollars de la Banque nationale d'Haïti, les ramène aux États-Unis, pose avec et s'installe à domicile avec l'armée américaine jusqu'en 1934, réinstaure le travail obligatoire, tire à vue sur les fugitifs et à son départ, c'est-à-dire au moment et après, en 1934, il part et jusqu'en 47, il demande à Haïti de rembourser la dette que les Haïtiens ont été obligés de contracter du fait de l'invasion américaine. Donc, eux aussi, ils doivent payer. Il y a une et la deuxième réserve? Et la deuxième réserve, c'est que le problème, c'est qu'Haïti, pour prendre que les 41 dernières années, c'est coup d'État, c'est corruption, c'est des insurrections, c'est des élections truquées, c'est impossible. Et je crains, c'est l'un des pays les plus pauvres du monde, et je crains que cette dette prenne une dimension magique. Mmh. C'est-à-dire, à partir du moment où la dette sera remboursée, tout va très bien aller. Eh bien non, il faut beaucoup plus, et Haïti mérite tellement. Qu'on se le dise. Exactement. À nous, dans notre parti pris international, les demandes de plus en plus pressantes à la France de payer sa dette à l'égard d'Haïti. Et vous, vous dites... Voilà. Et c'était ça qu'a parlé là. Et dossier à l'époque dimension tête chargée. OK? Côté que il y a un pile en pile africain. Ça que m'a dit aussi que si nous avons des gens, tu as bien possibilité pour tout gonfler bataille. Effectivement, tu as une vraie bataille. Tu as gagné ou tu as une possibilité pour que qui sont opposés et pour tu connais comment pour le poser bien. Tu as besoin de support. Tu as besoin de pile pays. Supporter où pour que la France et remette l'argent. Mais par conséquent, ou après ça, il fait parler de lui pendant quelques temps. OK? Après ça, ou après que tout nèg frette sous lui. Ou tout pour frette sous lui, pas gagner un cap continuer. Et c'est ça que toujours fait. Moi, j'espère que. Nous comprenons que nous nécessité là pour nous organiser, non, pour nous permettre que le pays ça joigne et naturellement et route. Les. Parce que ça qui est là, les gens sont compliqués et nous ne devons pas continuer avec genre des situations sérieuses. Et voilà, famille, les gens, comment est-ce? Allô? Voilà, désolé, parce que je dirais que je ne vais pas prendre mon cognac. Ça qui est là, il y a des gens compliqués. Voilà, n'a pas avancé toujours, ok? Et n'a pas avancé toujours. Et voilà, ça qui est gagné comme nouvelle,
que nous devons partager ensemble avec vous, c'est que... Française. Oui, il y a une dette française. Semaine qui s'est passée, hein, nous te voyons que tu as gagné un secrétaire d'État américain, hein, qui s'est monsieur Anthony Blinken, qui est rentré en Haïti. Par la suite, il a traversé la Dominicanie. Et tu as gagné une démarche que... Alors, après quelques temps, vous avez fait une déclaration. Quand vous avez dit comme ça que l'argent que un pile pays te promet que vous avez bail pour te participer, pour te aider forces multinationales, blablabla, fonctionner, l'argent pas l'argent pas bail, il dit comme ça que vous avez travaillé avec les États-Unis, le gouvernement des États-Unis vous travaillé pour que vous avez pour les Nations Unies, vous avez fait pour force multinationale, vous avez une force maintien de paix. Qui contrôlé par les Nations Unies, qui financé par les Nations Unies. Quand on est dit financé par les Nations Unies même qui toujours un cobble avec tout matériel disponible. Et c'est tout pays qui a bail cobble dans les Nations Unies et on a pour obligation pour tout bail cobble dans les Nations Unies pour les Nations Unies coordonner ça. Papa, est-ce qu'on peut le péter? La Chine avec la Russie dit pas question. Ça veut dire la Chine avec la Russie tout bloqué. Les États-Unis automatiquement font gros bout de tonton bac. Et mais c'est là que je viens de comprendre. Déclaration président dominicain qui c'est Luis Abinadel, l'homme ici dit comme ça que si mission multinationale n'a pas réussi, eh bien lui-même, il va poser des actions, il va prendre des décisions drastiques contre les immigrants haïtiens. Vous venez comprendre? Ça veut dire mission Kenya, c'est mission Abinadel lié. C'est moi! Comment dit, pas ce qu'on a fait là? Mission. Ça n'a pas gardé ya, lycée mission Abinadel. Ça veut dire pas que bah mission Kenya, blabla, c'est mission Abinadel lié. Et tout ça qu'a fait l'Abinadel pas voulu passer. Ça veut dire que fuck monsieur ça aurait été là. Les gars contrôlent mission. Hein. Même dis nous, en bon créole, Abinadel c'est force, alors c'est chef mission. Hein. Ça qu'en Haïti ya, qui mission? Environ 400 nègres. Moi, mon cousin, moi, mais Abinadel intelligent. Et j'en tout dit, c'est sot qui baye. Et bien, c'est le qui va prendre. Ça veut dire que si toutefois, nous toujours quitter, on sait des illettrés, idiots, criminels, restent avec volé dans tête Haïti, Abinadel a toujours joué une possibilité pour le faire ça. Mais mettez des mouns neufs, mettez des mouns qui compétents, mettez des mouns qui ont une capacité qui a fait ça. Et bien, mon cher, et l'abdi en pile, ok? L'abdi en pile, et mouns comprennent. Qui raison qui cause nèg toujours prêt pour barrer, bloquer ou bien prêt pour assassiner, c'est des monde qui prêt pour aider pays ça, mais ne comprend pas le bagaille. OK? Et bagaille la compliqué. OK? Abinadel c'est lui même qui a demandé pour que communauté internationale là eh ben respecter promesse yo parce que il était dit t'a bail l'argent pour force là parce que Abinadel lui même ça pas fait gratis. Le par exemple au joine et nèg Kenya ou ça qui blessé pour le prendre dominicain. Et pas gratis la pied, il pas gratis ti chéri. Il pas le prendre dans l'hôpital dominicain gratis. Comment tu comprends? Il pas fait comme ça. Et bien lui même tout ça qui avantage pays il l'a prend et moi me dit bravo parce que monsieur ce pays il a fait, monsieur décide naturellement pour que li aider pays l'avancer, moi me comprendre. Que monsieur Lidou fait ça la fait parce que dans ça fait pays pas gen zami dans ça fait pays c'est intérêt tout moun a défendre propre intérêt yo et ben dans sens ça nous doit organiser pour que naturellement nous mettez des moun qui capable de nous défendre intérêt pas nous la caille nous parce que moi crois que dans ça que Haïti trouvé jodi a si nous pas mettez dirigeant pas nous monde pas nous qui capable prendre défense pays nous eh ben des jours en jour pays a venir effondrer parce que dans ça qui Haïti trouvé là moi même c'est pas l'heure pour m'a critiquer Abinadel critiquer tel bagarre non Abinadel c'est chef mission multinationale là où elle dit que si que mission qui n'a pas réussi il va prendre des décisions drastiques il sentit que États-Unis et comme le fait que tu dis toi comme pas bail comme il envie faire force multinationale passer à force mais métier de paix là aussi la Chine dit monsieur l'autre a fait pour contrôler, on pas t'inviter nous. Nous pas quitter le passé. États-Unis décide de faire back. Abinadel senti que Barrel est menaçant pour lui. Et mais il décide pour qu'il change de directeur immigration pour le mettre en militaire dans cette immigration
pour traquer haïtiens par n'importe qui gens. Ça veut dire que je dis en bagalant, c'est là qu'on peut résoudre. Et me dit ça très bien. Problème la Dominicaine gagne avec Haïti, c'est Haïti capable résoudre les. Haïti gagne toute marge de manœuvre dans mel. Haïti gagne toute possibilité dans mel pour le mettre la Dominicaine à genoux là moins que 3 mois. Et me dit nous bon à genoux parce que me vivre dans pays, me connais pays, me comprendre réalité m'a dit nous. On nous prend Pascal parce que Pascal est gagne plus causé pour parler. Pascal retire au sommet. Et bienvenue Pascal, comment nous y est? Jeudi à 30 septembre 2024. Nous comptons pour que nous gagnions dans l'émission. Au sommet toujours Pascal, soit peut-être non. Retire au sommet. Non pas ça. Voilà, voilà. Pas sommet non. Ok, on se met avec nous là. Comment nous y est Pascal? Comment ça y est? Ah nous là, nous continuons à faire résistance et nous saluons tous les amis internautes nous. Bon, en pile causé dans la République. En pile causé. C'est Zin sous zin. Et l'orbeille sous l'orbeille, complot sous complot, et puis bon. Et pendant le pays a dégringolé, a descendu, et puis fond, qui côté nous est là, chaque jour descend puis fond. Chaque jour plus. Parce que c'est mission ça même. C'est pour un bagaille qui arrive, côté où elle est là, côté où le pays arrive dans la situation. Ou penser son bagage qui vivait au hasard comme ça, non? C'est des planifications. C'est tout ton planification même. Et pour mener côté côté où on y est aujourd'hui là. Bon, on va regarder et Abinadel, bon côté pâle, où est venu avec question et la politique migratoire là, il va parler des questions dénationalisées haïtiens. Et haïtien et dominicain d'origine haïtienne. Oui. Bon. Il profite de contexte. Parce que si nous insistons seulement sur Abinadel, nous ne sommes pas capables de résoudre le problème de l'Iran. Parce que nous connaissons la République dominicaine et. Politique n'a pas changé. Il a dit. Groupe ultranationaliste anti-haïtien qui peut pas changer. Il va changer, du tout. Et c'est un bagage historique qui est lié. Mm-hmm. Parce que groupe ultranationaliste, ça, il y a une époque, je te contre les haïtiens, c'est des sauvages africains. Aïe, aïe. C'est des sauvages africains. Et ouais, à chaque moment, yo radicaliser position yo. Mais qui les profite puis yo fait les gagner des gouvernements soit des gouvernements de facto ou bien un gouvernement qui fait manger sous problème haïtien. Mm-hmm. Parce que massacre 1937 là et bien yo t'ai profité de et silence et président Vincent à l'époque parce que avant massacre là mais il a annoncé qu'il a fait il a annoncé depuis mois septembre 1937 qui s'est tapé parler dans média en République dominicaine c'était question haïtien à volobet et sous frontière parce que ça va là tu commencé et Abinadel et Rafael Twilio l'Elvin dans matin avant massacre parce que massacre va commencer dans assoi qui 2 octobre 1937 dans la journée il était présent dans Dabon et il était parlé avec et population et qui était dans espace là dominicain racisio il dit yo question volo bétail là yo commencer résoudre li et il y a continué résoudre lui là il parlait commencer résoudre lui avant 2 octobre 1937 là depuis et mois septembre yo août septembre yo yo te gen tantouyé plus que 300 haïtiens massacré oui bien sûr canage la pral fait sorti 2 jusqu'à arriver 4 octobre 1937 et gen de monde qui parlait que massacre là te poursuivre jusqu'à 8 octobre 1937 C'est qui est-ce qui orchestre massacre ça? C'est Rafael Twilio. C'est lui qui a ordonné
et militaires dominicains avec des civils dominicains et pour massacrer et haïtiens ça qui tap vivent depuis un bon bout de temps sous frontière en bon et en République dominicaine. Mm-hmm. Et les monsieur voyer militaires yo et sous frontière pour une faire massacre là, il dit pas utiliser manchette. Mm-hmm. Et puis, ils ont barricadé l'espace, parce que l'espace est vraiment sale. Les barres la pété. Pour Haïtiens, eux-mêmes, cette tentative, c'est rentrer la caillou sur le territoire pas. Uh-huh. Eh bien, l'espace est vraiment sale, qui est barricadé avec militaires dominicains par étant avec mon chef. Oh my God. Chaque qui paraît, tu as des bons groupes qui ont attaqué la caillou. Avec depuis. Il a attaqué. Si moun, grand moun, pas te pagne. Le attaqué, il a fait tentative, puis il a couru quitter le territoire dominicain, puis il a entré et zone rivière massacre, et souanamé, eh bien, il a déjà joint soldats dominicains avec civils dominicains, manchette à la main, abtenu. C'est un coup, c'est abattage. Avec des gens abattent et il a tué les animaux. Wow. Bon, c'est des bagailles. C'est des bagailles qui nous parlent de la jambe et qui pas. Mais pardon, tout ça, qui saute pour le fait là, parce que dans le dernier temps, ça y est, en Dominicanie, il y a, je ne sais pas si vous regardez ça, et il y a une quantité dominicaine qui levé tout partout en Dominicanie, et il y a une propre activité, ça veut dire que propre groupe, il y a un nom, il y a un uniforme, il y a un drapeau, et il y a un dit comme ça que dans la dernière élection, Abinadel te vint côté. Abinadel te promet que. Automatiquement le monter comme président de la République, automatiquement le monter comme président de Biovotel, l'a déporté 500 000 Haïtiens. Automatiquement le monter, première action l'a posé. Et mais Pascal, il y a que depuis le 19 mai, élection faite en Dominicanie, Abinadel est élu démocratiquement, il a prêté serment 16 septembre qui se passait là, mais oui, 16 septembre ou 16 août qui se passait là, et Abinadel, pourquoi j'en pose en action? Et bien, ça a levé. En Dominicanie, il a dit à Abinadel, si qu'on pas qu'à faire, Jean doit faire là de manière légale, et bien nous-mêmes, on a fait le Jean qui est trouillé, on a fait là. On a fait partie, parce que c'est vraiment plus facile là. Et on a pris là, oui, parce qu'on a été chargé, on a été tellement sauvage, on a poussé Abinadel pour une décision pour changer de directeur immigration. Pour le mettre, on a qui, pas le haïtien, on a qui, pas le haïtien, qui est un deuxième chef dans l'armée dominicaine. Il mettait dans tête immigration. Ça veut dire que Abinadel te dit sous tribune Nations Unies. Il te dit comme ça que, à partir de semaine qui vient là depuis que. Alors, il te dit si que, je te dis, il n'a pas de vle, dit vérité à sous tribune Nations Unies. Abinadel te dit, si que force multinationale échoue en Haïti, il pral prendre des décisions drastiques contre Haïtien en Dominicanie. Eh bien, M. pas de vle, dit vérité à Jean-Lié. C'est dit, M. Paka dit comme ça que, pression tellement haut sur lui en Dominicanie, il est obligé de prendre des décisions drastiques. Et puis, M. prend dans les médias. M. qui a changé directeur immigration, tout Dominicain saisi. Eh bien, qui est-ce que monsieur mette deuxième chef dans la mille Pascal, dans tête immigration? Et me déjà dit à Haïtien en Dominicani, c'est on apprend ou à laisser. Son choix pour qu'on fait. Soit nous rete mou en Dominicani, ou bien nous vîn mou en Haïti. Et qu'on s'allie, m'a pas dit plus que ça. En avance, Pascal. Oui, non. Dans la situation, elle est là. Et Jean Mouwe Abinadel annoncé la couleur là. Haïtien n'a pas deux choix là. C'est rentrer la caillou. Parce que, ouais, groupe dominicain qui anti-haïtien. Parce que c'est un groupe qui a origine, c'est espagnol qui est. Et c'est yo. Et qui parle, ouais, haïtien le droit. Yo prêt pour faire n'importe qui action sur haïtien. Et si haïtien continue à entrer, on capable de dans logique de, et il a continué rester la caille et Abinadel et Capuel bon c'est Capuel parce que Abinadel lui-même j'en pense il peut le faire bagaille là il pas jamais faire de manière officielle non pour déporter et 500 000 là il peut utiliser des groupes civils lui-même il déjà utilisé yo. Il déjà fait ça la même. C'est comme sa déportation après le fait là, oui. Il n'est pas seulement fait non, avec agent immigration, non. Ça veut dire qu'on va loin, vous et Dominicain raciste, ça, vous pouvez commencer
persécuter haïtien en République dominicaine et il y a pose action même. Oui, il y a pose action. Il y a intensifié violence là, il a commencé parce que l'homme garde et ces derniers temps Jean et dominicain a maltraité haïtien l'autre bois. Ah, c'est bagaille qui mandé pour prendre des décisions la caipane. Aïe. Parce que ouais, je dis c'est seulement ça n'ka seulement ça n'ka mandé yo. Nous ka mandé haïtien l'autre bois. Si on a bail là a dégénéré, yo pa gen l'autre choix c'est rentrer la caillou. Parce que nous pas calmer de soi-disant autorité yo là, ça veut dire pour gen des bagailles qui fait. Parce yo tande sa cap développement en République dominicaine et ouais, yo fait silence. Silence absolu. Bon, oui, yo fait silence. Et ça fait l'ti madame nan et t'a fait on servi colère, il te dit oh si frontière pas ouvri et pour tout haïtien, yo même yo pas prêt pour aller. C'est parole vent, parole bluff. Comme c'est investir Abinadel, c'est pour bagay qui gagne trop grande importance pour you. Eh bien, il te sert avec ça, et puis pour le cas montrer, et population, hein, que yon a intérêt. Et puis, te ka, voyons message à l'opinion publique là, et puis pour montrer, yon ka défend intérêt, yon intérêt haïtien, qui vivent en République dominicaine. Pendant, haïtien a massacré chaque jour en République dominicaine, yon fait nos bouchons. Qui position officielle ou jamais et équipe ça apprend et l'autre bagarre encore non jamais la vigne là si on était sérieux avec tête yo c'est rappeler puis t'as rappelé ambassadeur qui est l'autre bois et déclarer ambassadeur et Dominique qui est dans le pays, personne n'a nom gata. Parce que monde ça qui là. Mais Beto, moi te gata connais bagaille la privé côté où elle rivé là. Depuis les moi haïtien t'es choisi à craser barrière frontière là. Barrière frontière là. La gueule dans rivière massacre. Dès dit bagaille ça, li pral gien bon conséquences sous haïtien qui a vivre l'autre frontière. Parce que Jean Bagay la te fait. Parce que Abinadel te yvon kote, li te, ou kon te faibli, Abinadel ta genou, Dominique ta genou. Ça que fait, mais bon, mon kote, nous reproche moun ki tal krasel yo, mais population rive non situation pour se yo kal, pour la mafia utilise, bon, c'est pas population même qui te krasel, c'est la mafia qui organise. Yo krasé li a, mais c'est parce que gouvernement pas d'après de l'extérieur. Parce que dans le moment, Abinadel te coincé, c'est dans le moment où yo te négocié avec elle. Exactement. Il était à genoux. Comme équipe. Il était à genoux. Mais comme équipe Ariel, là, c'est ton banchoul, ça pas de regarder. Ban volé. Yo te fermé sous tout bagay. Et puis, bagay là, il vini dans une situation, côté, c'est la mafia qui a écrasé barrière frontière là dans rivière massacre et ça te vienne fait dominicain au prend confiance effectivement et ça ou te dit à venir respecter je te dis pas occupé yo quitter au bas de corps yo il a fait un mois il a fait deux mois il a fait trois mois mon côté c'est yo qui a privé à venir demander pardon oui c'est ça ou te dit et yo organisé yo avec le gouvernement de facto ou Ariel là, yo fait jusqu'à ce que c'est la mafia qui a cassé les barrières. Yo fait négouana mettre cassé les barrières là. Et la mafia n'a pas mettre cassé lui. Et comme population en tout lui-même, lui vivent de échange, capable de activités qui viennent sous frontière là parce que son ville, Mounio lui-même, C'est l'acheter et moun ki sou frontière lui-même yo condamné pi aller en République dominicaine parce que Jean l'État abandonné yo. Ça veut dire pas aucun accompagnement en question
production agricole, vous voyez, parce que paysan n'a pas qu'à produire pour Paul, sans pas joindre accompagnement l'État. Bon, on regarde, les frontières étaient fermées. Si vous pensez si l'équipe qui était là était sérieux, dans trois mois, il y a des bagages qui n'ont pas pris en main ce domaine. Les populations ont bien nécessité pour y aller prendre. Ça va exister. Mais ce n'est pas ça. Mais c'est pas ça qu'on a réglé. Il était fermé un jeu sur toute bagaille. En plus, il était là, des populations pour poli. Et puis, bagaille, la vie, ils vont côté. Et puis, la mafia a cassé barrière. La guerre dans la frontière. En plus, on entend dire, les populations ont entré. Les populations ont entré. Et avec une émotion, un contentement. Et c'est ça, Dominique, qui a besoin. Parce que c'est ça, on t'a observé. Ouais. Les barrières, ça a fini crasé. Ou les populations ont entré. Avec une émotion, il y a entré ou pas le point Zagriba et la caille Abinadel. Mais est-ce qu'on peut le reprocher pour dire que ces populations pas bon? Non, c'est dirigeant le baguette. J'aime parce que, faut regarder le baguette, parce que les gens qui peuvent le contenter seulement pour jouer les populations, dit ces populations qui vicieux, ces populations cocoat. Non, moi même pas comme ça. Qui ça, n'est-ce que fait pour éviter les populations, pour les populations à le point que Zagriba et la caille dominique. Parce que, on regarde les produits dominique à vous là. C'est pas yon fabriqué yon. Mais, qui ça qu'empêche nèg sa yon lui-même? Yon cherche couloir sa yon. Et puis, pour faire entrer produit sa yon sous marché haïtien. Mais non. Et, c'est pour dominique qui a travaillé. Eh bien, yon quitte, c'est dominicanien qui servit avec Haïti. Et comme source de richesse yon. Pendant que Abinader a fait tout gogoy sa là. Haïti c'est source richesse pour mon économique. La question pour mon économique. La question na fatra qui a produit. Parce que pas aucun l'autre côté au Calvin, yo qui côté Calvin yo. Vous m'attendez et sous question légumes avec fruits à produit l'autre bois. C'est des bagages qui gagne insecticide qui au Calvin aucun l'autre côté non. Qui est sous marché haïtien bio vendu. Et c'est bon bon insecticide là-dedans. Yo gagne. Yo gen bon on regarde là quand ça le barrière fin crasé qui ça ou dou yo créer un couloir commercial un couloir pour haïtien à l'acheter al prend fatra bay là les parler de couloir les parler de couloir commercial là ça et pas pour gagner échange non haïtien pas rentrer avec rien non mais haïtien a des possibilités pour aller prendre agribay rentrer sur territoire haïtien. Mais c'est des bagailles. C'est là qu'il nous. C'est là qu'il nous pour mettre l'ordre avant. Non, il a qu'il nous. Bon, on regarde. Bon, on regarde pour bon, pour gagner gros menace ça sous tête haïtien qui vivent en République dominicaine. Et puis ça compte haïtien qui vivent pas bon ici, c'est nous l'enfer que yo est, mais c'est dans moment ça qui sont ouais et autorité, soi-disant autorité pas bon ici d'en fait. C'est pas Goumé Abgoumantre. Goumé Abgoumantre. Il y a Abgoumantre pour poste, pour privilège. Mais question, où t'as parlé bagaille ça avec yon nèg sa, nèg la dia, ça pas intéresser pour moment là. Moment, c'est question présidence tournante. Qui est-ce qui pour venir remplacer Edgar Leblanc? Ou bien Edgar Leblanc lui-même l'a comploté pour le rété, Gary Koné nan bon pali. Et la manigance, c'est comment pour le pour le roi et pour le continuer à piasser notre trésor public là. Mais c'est pas fait pays qui a brûlé. Pas que doit pays qui a brûlé là. C'est planification pour Gagot. Vous comprenez? Planification pour Gagot. Ouais, haïtien et haïtien qui vivent en République Dominicaine, c'est pas rentrer dans le pays à plus de chute à la caille. C'est tout rentrer. A bi commencé des mouvements de protestation parce que c'est autorité pas bon la caillou que te voye yo al passer misère la ka et Abinadel en li clair et bien qui c'est nèg politique yo c'est déstabiliser pays a qui vient rendre pays invivable pour les haïtiens obligé quitter la caillou la République dominicaine la chez la vie exactement moun campé chez yo les entrer sorti en République dominicaine c'est rentrer tout avec toute frustration que vous avez pu venir dégager le jour n'est pas bon ici. Par exemple, déception, le MDU pour la République dominicaine arrivé à dénationaliser et haïtien.
Bon, qui sacte la République dominicaine? Yo fier par le fait qu'il a fait, oui. En vrai, yo fier. Non, yo pas capable fier parce que Haïtien vient fier qu'il a vivre en République dominicaine. Oui, comme si pour montrer. C'est lui, mais yo ouais nous aimer pays ou plus que eux même. Et c'est ça qu'il faut, ouais, yo mobiliser comme ça. Parce que Dominique qui a gobaye dans tête lui. Il pas ta rené, rivé on l'est et pour haïtien tellement en pile l'autre bois et puis au prend contrôle pays en main. Oui, yo au son j'ai depuis en 2000. Depuis ce matin lui, mieux quoi tu prends décision ça yo. En 2013, en 2013 son Matéli et c'est pas des cobs qui t'est gaspillé non après bagay ça c'est ton occasion pour pouvoir te caler te faire quoi non pour gagner les pidi. OK, c'est première fois ministre affaires étrangères qui a tout comme ça là dedans toute l'argent ça n'a pas gagné pidi ça son là on t'a blanchi après et bagaille et dénationaliser haïtien ça nèg yo pa vinn avec un programme pidi dans ministère haïtien vivant à l'étranger moi dou c'est ton véritable cagotte ce qu'on ça parle en Dominicanie là ça a parlé en Dominicanie là c'est et Vinancio Alcantara qui c'était directeur général immigration Dominicanie que Abinadel prend décision pour destituer monsieur dans cette institution hein, que tout dominicain dit que Il n'y a pas qu'on ouais et comme si m'a dit révocation ça qu'on fait dans condition ça parce que pour mettre et directeur immigration en Dominicanie gon façon le fait pour que ou révoquer gon façon qu'elle le fait mais ouais Abinadel tout de suite il sorti dans Nations Unies monsieur prend décision et du Pascal c'est suite avec remonter dominicain raciste que Abinadel te promet qu'il va faire déportation massive là avec gros manifestation Dominicanie Abinadel trouve l'obligation pour aller prendre yon militaire un deuxième alors yon moun qui nan deuxième niveau yon deuxième chef dans l'armée dominicaine là monsieur prend pour le mettre comme directeur général immigration en pile dominicain dit ça va être sauté ça va être sauté en pile non ça va c'est Abinadel a préparé ça au lot on chasse aux sorcières contre haïtiens qui vivent en République dominicaine aïe. parce que Abinadel qui ça le joue lui jouer et sous comportement et irresponsablement foubé soi-disant autorité c'est ça la joue là très bien bon où il vient dans situation côté c'est monsieur qui parle et qui parle sous question sécurité pays c'est grave et l'en connaît implication la République dominicaine dans conçu ça là et il y a des fois la li pa honte non li fort comprendre c'est Haïti qui représente une menace pour la vie dominicaine c'est Haïti qui menace là mais fon garder bon côté pas nous tout qui n'a pas de chance sérieux avec tête nous qui fait arriver côté là non et ça que me dit quelque part c'est guérison tout ça monsieur dit moi belle raison ça que belle raison sauf face pour nous responsabiliser tête nous qui belle raison par contre tu comprends oui non, haïtien pas de jam, prend aucune décision pour ne pas arriver côté ni là aujourd'hui à là. Ni dans question insécurité et généralisée dans pays à la violence qui dans pays à, ni dans ça qui a passé en République dominicaine. Non? Bon, on garde dans question et violence, insécurité généralisée dans pays à. Bon, pour un pays tant que Haïti mon pays, c'est l'armée qui bat le pays à naissance. Après, on lève un bonjour matin, et puis, on est qui est président, il entend avec Maître aux États-Unis, il vient, il dissout. Et personne ne va dire rien. Comme si ça passait comme une lettre à la poste. Bon, il passait, et pendant 1994, eh bien, c'est jusqu'en 2017, l'armée n'est pas mobilisée. Ouais. Sauti, la bia pas là, non? On vide. Côté, on joint tout espace frontière libre. Parce que la police, par une mission pour sécuriser frontière. Avec dit, espace ça, son espace qui était libre. Libre. Dominique fait salve lavel. Non. Dominique fait salve lavel et n'importe qui moun capable rentrer et sous territoire et
et les l'entrée, les cabines avec ça, les. Bon. Et si nous prenons pendant 5 dernières années, la bagarre la vie, 5 dernières années, la bagarre la vie, dégénéré net, côté, et frontières, et ces domaines-là, tout le monde passera pour ZAM avec munitions en train de pays. Mm-hmm. Mais, il faut regarder, qui est-ce qui cause ça? Oui, tu as un citoyen qui te prend une décision, qui c'est ancien président Jean-Bertrand Aristide pour le dédissoudre de l'armée. Mais qui ça paye à te dire dans ça? Mais tout pays a accepté avec elle. Mais il faut que tu aies un ouais, c'est non piège que la communauté internationale a pour nous. Et là, l'accompagner Jean-Bertrand Aristide dans le cas de l'armée. Parce que c'est même encore qui transforme l'armée en l'armée crasée. Et puis, il y a des cas arrivés côté des rivières. Il y a des cas discrédités. C'est même eux-mêmes. Fait peuple à Raïl. Discrédités. C'est même eux-mêmes. C'est eux-mêmes qui ont utilisé pour. C'est eux-mêmes qui ont utilisé pour faire ça au besoin de faire. Ils ont pris un. Ils ont mis un coup. Qui est-ce utilisé? Ils ont utilisé où état-major l'armée. Qu'on y a. Avec où état-major l'armée, qu'on y a. Sopandia, l'armée d'Haïti, polié. Il y a une mission pour protéger la nation qu'on y a en face de la nation au camp. Parce que l'armée a été dégénérée, oui. Complètement. Non, fait ça malhonnête. Mais, à regarder qui est-ce qui te caché dans tout le monde, c'est même monde qui te besoin de caser encore. En tout cas. Et ils n'ont pas intelligent, ils n'ont pas entré dans le schéma. C'est même avec la police. C'est même avec la police nationale. Ou pas, ouais. Gendele, yo fait police là entre dans schéma, en plus vous faites tout le monde dans le pays. Dans tête yo connait bon travail y a fait. Par exemple, à chaque moment peuple a prend la rue pour la faire passer revendication li. Et bien qui ça? Yo utiliser yo en puis bombarder et peuple avec et gaz lacrymogène. Ça veut dire que yo ka mette police là plus loin population parce que yo connait pas jamais gen police sans population. Voilà, on veut pas voir comme si m'a dit, ils font façon pour rien non exister la caille population contre police là. Oui, un point, l'on groupe moun sorti, il a fait passer revendication par exemple pour d'eau potable ou bien courant. Oui, qui sont policiers? Qui intérêt un policier gagne pour la massacrer moun là? Bon, regardez, policier a pas gagne intérêt pour le faire li, s'il te comprend ça dans qui schéma y a metté là. Et moun qui voit là tout, il pas de voir parce que on pouvoir qui voit la police à l'écraser pour mouvement et qu'a fait boulot ou bien pour courant ou bien on bout de son pouvoir irresponsable qui pas bien placé même jour aller doit aller parce que premier bagaille on pouvoir responsable à faire la voyons délégation sur place à l'entendre les populations et agir dans l'immédiat parce que c'est des revendications qui juste et légitime pas dit pour moun yo revendiquer puis ou gen de l'eau puis ou gen courant puis ou gen route c'est pas des bagages où on pouvoir en éclairer en pourtant de mobiliser la police à le graser. Eh bien population en vinn wè pi gwo ennemi c'est la police parce que ça la revendiquer qu'on est les juste tu connais juste oui et la revendiquer et ça la revendiquer elle revendiquer c'est pas seulement pour lui il revendiquer pour police là tout. Eh bien il dit il pas comprendre. Eh bien, la police là, c'est ennemi de venir. Eh bien, automatiquement, la police là vient ennemi population. Eh bien, la police là, c'est même beaucoup de panne. Ouais, police. Il n'y a pas de police. Eh bien, c'est même avec la meilleure. Ils mettent la meilleure dans le schéma. Eh bien, ils font la matraque population, font l'obéir. Et puis, ils vont côté. Tout le monde dégoûté. Et puis, blanc, ils vont côté. Ils servent avec Jean-Baptiste Larissi. Et puis, ils prennent décision. Et puis, ils dissoudent. Et puis, personne ne parle. Personne ne parle. Pas dire rien. Personne ne parle. Pas dire rien. Mais laisse ça, nous te doué à la, nous te doué pour un bagaille là pour s'allier. Pour l'écraser, c'était réformatel. Refaire l'armée en net. Vingt rendre l'armée, yon l'armée, gade oui, yon l'armée professionnelle, avec un lot doctrine qui différent de doctrine et américain au débat, doctrine et gendarmerie. C'est vingt rendre on l'armée et qui l'a pour défendre intérêt et pays, pour défendre souveraineté avec intégrité pays. Mais c'est pas ça que t'es fait, c'est écrasé, et bien écrasé net là, et bien côté le mène nous dire.
Eh bien, yes. C'est même avec Haïtien qui a vivre en République dominicaine. Toute préparation est faite pour Haïtien qui était pays, à chercher la vie mieux. Bon, parce que l'un de qu'on a pris des décisions, les autorités nous qu'on a pris des décisions sans calculer sous dictat FMI Banque mondiale et la question politique néolibérale fermer toute entreprise publique qui était dans le pays. Parce que c'est entreprise publique ça qui te connait by job et qui connait et produit bagarre dans pays. Bon, faut t'a poser tête nos questions. Côté au passé au dia, qui ont fait craser. Et bien nèg le vont bonjour matin, yo dou, y a privatisé. Et bien la privatisation yo arrivé craser toute entreprise publique qui te connait dans pays. Toute entreprise publique. Qui ça l'état gagne? Qui ça l'état gagne la gérer? Parce que pas aucun pays qui pas développé, pays sous-développé. Côté ou ka joine et l'état remet tout ça gain avec des mafias dans secteur privé. L'état pas ka remet tout ça gain avec des mafias dans secteur privé. Bagay ça au fait, c'est dans sont des pays qui organisent des pays qui développent oui, par l'entend des questions assurance, questions communication, électricité, les dans le secteur privé yo bay résultat mais c'est pas dans pays sous développé non. Dans pays sous développé yo dans pays qui besoin sortir de état de sous-développement à pays développé et bien entreprise ça c'est des entreprises qui doivent et sous contrôle l'état. C'est même avec question communication dans pays ou pas dire celle il fait sale dans pays parce que il gagne monopole communication l'état tout abandonné ça au balil personne ne pas poser question pour dire comment René Préval te fait entendre avec équipe li. Yo liquider téléco, c'est pas même privatisé non, yo liquider le, yo liquider le, yo crasé sa plate, yo crasé le, et yo mettez nous nos conditions et côté ne pas gagner encore, qu'on y a population en lui-même, yo nan misère, yo nan chômage et yo obligé à laguer puis en République dominicaine, Dominicaine, aller chercher la vie, et puis qu'on y a et Pas bon et pas paquet. Très bien. Eh bien, Pascal. Eh bien, on y a Dominique même qui vient même qui était déjà et groupe Dominique raciste là. Il était toujours peur envahissement haïtien puis dominicaine. Eh bien, il a fait pression sur Abinadel. Il a fait pression sur Abinadel. Eh bien, Abinadel lui même l'a pris des décisions. Et puis, pas bon là quand même. Mais ici même après, il a gourmé pour poste. Il y a beaucoup de millions. C'est dans ça nié là. Sérieux. Action Abinadel pour le poser. Là, ça fait des Haïtiens pas besoin de rester en République dominicaine pour massacrer. Action là a tout déclenché. On va gagner tête chargée dans le pays. Parce que bon, pas quoi monde ça en République dominicaine là. Qui négocie des chasseurs. Qui au pal entre la caillou a gardé. Moun ki te mette yo de yo. Parce que fok yo we pa gen lot alternative encore. Parce que regardez, gen menace la en République Dominicaine et gen menace la bon côté États-Unis tout. Parce que c'est pas seul bon côté gen menace la bon côté États-Unis tout parce que en pile haïtien là pas d'ab jam souhaiter c'est on est temps pour Donald Trump pour devenir président là non. Politique migratoire la pas différent de son Abinadel la faire non il peut faire c'est sous pression il pas différent non et c'est sous pression vous et moun qui va voter lui il va agir tout et bien ça montre nous il est plus nécessaire pour nous goumer et pour nous changer et donner pas bon ici et même là ici tout où est jodi là qui menace utiliser et veto qu'il gagne et pour faire États-Unis fait back sur question transformer et mission sécurité là et en mission de la paix. Mais grand pile monde qui pas penser c'est la Russie avec la Chine la Haïti non. Son message aux haïtiens, yo mande haïtiens pour prendre responsabilité yo. Prend engagement, fait affaire. Yo dit haïtiens tout autant yo rete en bas griffe États-Unis c'est tout autant et bagaille difficile pour eux. C'est compliqué pour nous. Parce que tout autant États-Unis pour le penser là qu'il pourrait venir pour venir faire des bagailles
et la en dans pays là intérêt c'est tout autant et la Russie avec la Chine comment passer comment passer justement et bien, qui ça nous doit faire et bien qui ça nous doit faire c'est nous qui prenons responsabilité nous là oui. Non il clair il pas gain doute c'est pas pareil c'est pareil et c'est pareil la Chine avec la Russie raille nous c'est parce que il y a regardé et différentes missions l'ONU qui est en train de payer qui ça a réglé on est à bloquer on est à bloquer et dans conseil sécurité hein mais nous même qui ça nous doit faire parce que nous pas qu'à reposer toute bagaille sous dos et la Russie avec et la Chine nous on a dit hein chaque plan qu'elle gagne pour payer hein la Russie avec la Chine a crasé le pour nous mais crasé le pour force et mettre de la paix à pas venir mais qui ça n'a fait pas moi ici pour nous retirer tête nous dans ça là force de mettre de la paix pas qu'à venir parce qu'il a utilisé veto mais qui ça nous doit faire eh bien c'est population qui pour prendre responsabilité parce que et pas gagné États-Unis qui a venir sauver nous là tout conclu Pascal et pas gagné et nègre dans politique c'est peuple là pour prendre responsabilité eh bien n'a continuer suivre et dossier ça elle a passé et nous pas avancer là vers et 2 octobre 2 octobre là nous décidé pour nous faire une émission sur question et massacre 1937 là. OK, 2 octobre, pas de problème, pas de problème. 2 octobre et 1937 là qui pourrait le marquer là 87 ans depuis massacre ça a été fait et en République dominicaine et qui t'a coûté et la vie et environ et 30 000 paysans haïtiens en République dominicaine. Eh bien, nous disons maintenant, nous cassons pied, nous laguons pied, nous cassons rendez-vous, on l'a édition avec eux. Très bien, merci en pile, Pascal. Voilà, ensemble avec nous, c'était Pascal. Depuis en Haïti, nous avons fait parler sous situation qui a développé en dedans pays d'Haïti, parce que il y a un pile causé, naturellement, qui a parlé là. Il y a un pile causé qui a parlé en dedans pays ça. Et nous devons prendre responsabilité. Mais ça n'a pas dit de. Alors, pas. Dossier la Dominicanie avec Haïti, il est très sérieux. Haïtien qui vivent en Dominicanie, il est très très sérieux et il est très important pour que nous organisions. OK. Il est très important. L'autre intervention qu'on a fait pour nous finir, dans 2 jours à 3 jours qu'on vient là pour aller un gros problème parce que qu'est-ce qui s'est passé? Conseil présidentiel de cette tête là et gagné une quantité nèg soit 4 nèg qui pour passer dans tête présidence là. Présidence conseil. Par exemple, il gale blanc fisté fait office de président pendant 4 mois. 8 cap vin là, soi-disant, a fait li. Et comment il est. Et. Mandat pas l'a fini. Qu'on a supposé gagner Smith Augustin qui se représentant et Red compromis historique et de la dan. Bon, non, monsieur, si t'es dans bagay, qu'on a. Il gale blanc pas v'le bay et présidence là. Là, pral gon problème. Qu'on ça là, pral gen gros courri et nan question bagay conseil ça là. Mais nous même bon côté pan n'a prêté suivre dossier ça de près et tout le monde connaît si c'est là pour nous passer pour nous tout craser qu'il tout craser mais craser là tout faut que peuple a tout assumer lui même pour tout gérer intérim parce qu'on pas faire craser pour c'est même encore qui va l'entendre pour mettre monde et dans pouvoir ça veut dire prendre engagement comme peuple prendre responsabilité au grand privilège grand possibilité à exploiter là on bagaille là pas quitter temps passé ce qui t'est passé la balle du pour la balle compliqué pour et ou pas ka fanyen contre ça. Mais espérons que nous comprenons et nous prenons toute disposition, OK, pour que nous organisons nous pour nous gérer le problème ça le plus vite que possible. Moi même bataille pas maintenant, me dit n'a pas continuer faire et pas gain route pas bois. C'est engagement que nous prend, c'est responsabilité que nous prend pour nous permettre que pays en sorti là. Gagné et chef révolution qui font intervention. Comme chef révolution en parler. Nous avons débile parler, nous même faut aller chercher ce qui dit pour nous porter pour. En attendant, commandant chef révolution qui font intervention, matin sur radio et télé éclair. Entendez. Ou son acteur qui est très très important jodi a sur le terrain dans ça qui concerne le pays a. Gen ti tan que nous pas parler plus de yon mois qui j'ai en regarder ça qui a passé là juste avant que nous rentrer dans Nations Unies, tu recule ça qu'on prend tout petit.
nous admettre des parties que nous fait erreur. N'a pas tourné à l'heure. Restez connecté avec la plateforme là. Moi-même, nous appelons. Qu'est-ce que là?